L'autre jour, il y a un mec qui m'a dit, genre en mode, ouais, mais finalement, la zoophilie, ça devrait être un truc comme les autres, qu'on devrait accepter dans la société, tu vois. Ah oui, ça peut soulever des débats, mais après. Si on avait des arguments, ça peut se défendre aussi, hein. Ouais, mais c'est pas cool, je veux dire, comment tu peux savoir qu'un animal, tu vois, il aime ça quand tu lui fais, quoi, je veux dire, je sais pas. Moi, je me dis que. C'est pas parce que t'es mignon et plein de poils que ça y est, t'es comme. T'es prêt à tout te prendre dans tous les orifices, quoi. Ah bah, je dis pas que tous les animaux c'est pour ça, mais après il y a des questions quand même à se poser. Hein. Moi j'ai jamais pratiqué, mais déjà, un animal ça se défend, tu vois. Ça peut mordre, ça peut donner un coup de sabot, des choses comme ça. Quelqu'un qui prend l'animal, je sais pas, une chèvre, par exemple, parce que tu sais que vaginalement parlant, la chèvre c'est assez proche d'une vraie femme. C'est pas un truc légionnaire de l'indiquer. Hein. Je sais pas. Hein. Ah bah, Et en attends. même temps, la chèvre, tu vois, tu peux la contraindre, tu vois, c'est comme du viol, tu vois, quelque part. Ah Zoophilie, bah c'est t'as donné du un coup de. viol, tu vois. Tu t'es déjà pris un coup de sabot, un coup de corne d'une chèvre, tu vois, ça se défend, tu vois. Enfin moi je pense que. Ouais, mais la chèvre, tu lui mets des cordes et tout ça, tu la contrains à, tu vois, le paf paf paf, tu vois, Ah oui genre. là d'accord, mais après c'est pareil pour une femme, tu lui mets des cordes, tu l'attaches, ça reste un viol, mais la Et chèvre comment tu tu peux. t'arrives à Mais tu la savoir caresses, si tu lui la parles. chèvre, elle est en train de faire un cri de joie ou un cri de douleur, tu vois? Bon, je pense qu'elle différent bêlement. Ça. Bah ouais, on n'a pas de traducteur là, tu vois. C'est pas faux, mais bon, je pense que ça. Il y a aussi une compréhension dans le regard, tu vois. C'est comme les chiens et tout comme ça, il y a quand même une intelligence dans le regard, tu sais très bien s'il est content ou pas content, tu vois. Le chien, il vient dormir près de toi au bout d'un moment. Je sais pas, t'es une femme, t'es un homme, t'es tout seul. T'as Ouais, ta mais. bestiole qui vient tout le temps près de toi, qui te fait des câlins, qui te lâche partout. Je veux dire, c'est normal que ça puisse éveiller des sens, hein. Et puis il y a un truc vachement égoïste, je trouve, c'est qu'on est capable de tuer des animaux et les bouffer. Et pourquoi on pourrait pas les baiser, tu vois? Surtout qu'il y en a certains qui éprouvent du plaisir. Les dauphins, les singes, les bonobos, tu vois, tout comme ça éprouve du plaisir. Non. Mais t'as déjà vu le regard d'une chèvre? C'est très séduisant une chèvre. Ça peut être très séduisant, enfin c'est Surtout très joli. vide. Non, je suis pas d'accord. J'ai déjà vu des petites chèvres qui étaient vraiment mignonnes. Je me rappelle quand j'étais gamin avec mes parents quand on allait dans les fermes, et les chèvres, j'adorais caresser quoi. Alors, le poil, hein, pas, je parle pas de. J'ai jamais touché un animal, hein.